suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera sur la présentation de mon mini-album, donc Dream. On va commencer par la couverture. Donc ce sont des papiers d'un bloc que j'avais depuis pas mal de temps. Et je pense que vous l'aurez reconnu, ce papier-là, donc Craft. C'est un papier qui vient des derniers blocs Craft de chez Action. Donc ce sont des blocs, donc il y a du Craft et puis des couleurs. Donc j'ai trouvé que ça collait parfaitement avec ce mini-album. Donc les bases de cartes, comme toujours, grâce au tuto de Lidl que j'ai adopté. J'adore ce concept, du coup je ne m'en lasse pas. Alors pour le coin, donc j'ai mis déjà pour la reliure du tissu, donc qui est vraiment génial pour faire la reliure. Donc ensuite des fleurs, donc pareil de chez Action, des papillons faits avec ma perfo. Donc là, Trim, c'est le transfert pareil de chaque action. Donc c'est avec plein de mots, des petits demi-perles. Mon ruban. Et l'arrière, donc j'ai mis un papillon, un petit morceau de papier et puis mon embellissement. Et donc on va commencer par découvrir l'intérieur. Donc la première page, donc je suis vraiment restée dans le craft et bleu. Donc là ça vient d'un morceau de papier que j'ai découpé, des petites demi-paires. J'ai fait des tags et mis j'ai fait de la fausse couture. Là pareil, on peut mettre une photo. Donc là cette fois-ci c'est pas, j'ai juste fait ça avec des enveloppes et puis des cartes. Vous voyez, pour faire le raccord. Donc là j'ai arraché mon papier, donc là toujours le transfert. Et donc là j'ai glissé deux tags. Ce mini album, donc comme d'habitude n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, et moi je vous fais d'énormes bisous, scrapez bien et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.